Bonjour, bonjour à tous, c'est bonjour. Disney Club. Mercredi. Mercredi, oui. Oh, Julie. Bonjour. Bah, c'est quoi ce gros sac? Ah, bah c'est une partie du courrier que nous recevons. Oh, mais c'est formidable. Oh, oui. Mais oui, c'est formidable, mais j'aurais quand même bien aimé que l'un de vous m'aide à transporter ce gros sac. Bah oui, Julie a raison. Là, sur ce coup, Philippe, t'as pas été galant, c'est pas bien. Oh non, mais alors là, je rêve, vraiment. Bon, Julie te pardonne, exceptionnellement, mais pour ta peine, tu vas présenter à nos jeunes amis le programme de cette émission. Ah, allez. Mes enfants, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et hop. Enfin, bref, nous retrouvons notre ami Winnie l'ourson dans une nouvelle aventure. Je crois qu'aujourd'hui, il va vivre la peur de sa vie. Et puis Mickey, Dingo et Donald réunis pour sauver Clarabelle, qui prend tranquillement son bain alors que sa maison brûle. Il y aura également un reportage à Euro Disney, notre rubrique Les animaux en question, où nous parlerons aujourd'hui des loutres, et bien sûr, notre séquence Mon courrier. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Donald face à un terrible gorille. Heureusement, ses neveux sont là pour venir à son secours. Voici Donald et le gorille. Mais qu'est-ce que je vois? Il y en a qui allument seulement leur téléviseur? Mais et alors, on ne sait pas ce qu'il y aura dans ce Disney Club mercredi. Ne t'inquiète pas, Julie, et compte sur nous, nous allons faire un rapide rappel de notre programme d'aujourd'hui. Alors, Mickey, Donald et Dingo en pompier, la bande à Picsou perdue sur une étrange île. Un reportage à Euro Disney et dans quelques instants, notre ami Winnie l'ourson. Alors, à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Va se retrouver dans le jardin de son voisin où rôde le grand gadouilleur. Voici Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme... À bientôt, Winnie. Dans quelques instants, notre rubrique courrier avec vos photos, vos lettres et vos dessins. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club, mercredi. Vous savez que vous êtes tous des artistes. Chaque semaine, nous recevons des centaines de dessins, tous plus beaux les uns que les autres. Et chaque semaine, nous avons énormément de mal à choisir. Mais voici mes deux dessins. Alors, aujourd'hui, ils ont un petit rapport avec notre dessin animé, la bande à Picsou. Alors, tout d'abord, oncle Picsou, lunettes noires, musique à fond, à mon avis. Moderne, hein, Picsou. Et voilà, c'est Patrick, qui a 8 ans, qui nous envoie ce sublime dessin plein de couleurs. Et j'ai également Donald, qui fait évidemment aussi partie de la bande à Picsou. Et Donald nous envoie des gros bisous par l'intermédiaire de Linda, qui nous envoie ses dessins. Merci Linda. Eh bien, quant à moi, je reste sur la bande à Picsou. Mais alors là, il y a du monde. Hein. Riri, Fifi, Loulou, bien sûr, Picsou. Je ne sais pas si vous avez vu, il a sa caisse enregistreuse à la main. Évidemment, radin comme il est, il ne veut surtout pas la lâcher. Il accumule les paquets de centaines de milliers de dollars. Oh là là, il y a de quoi faire. Et puis, il y a un petit Jiminy Cricket, là, bah, issu de Pinocchio. Mais oui, c'est ça, oui. De Pinocchio. Puis Petit Cochon, des Trois Petits Cochons. Et c'est Marie qui nous envoie ça. Et elle habite à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Merci, et Marie. Magnifique. Hein. Bravo, Marie. Marie, si tu veux nous envoyer les paquets d'argent, c'est pas un problème. C'est une bonne idée. ça nous fera aussi plaisir. Alors, on va rester sur la bande à Picsou, parce que moi, j'ai trouvé un dessin, mais alors formidable. Oh, ils sont tous. Un dessin de Clara, qui habite Toulon. Elle reconnaîtra son dessin, elle est très très douée. Elle nous fait une petite lettre d'ailleurs, en disant « Cher Julie, Philippe et Nicolas, avec un thé, comme chocolat. » Comme gourmand, non? Ah non. Comme gourmand, peut-être. C'est un dé. Oui, bravo Julie, bravo, comme gourmand. Non mais je voulais dire Nicolas, comme gourmand. Ah, si peu. Je suis pas gourmand. Non. Alors elle nous écrit qu'elle aime beaucoup le Disney Club, elle a bien raison, vous êtes très drôle. Oui, je participe toujours au jeu des indices, mais j'ai pas encore eu la chance d'être tiré au sort, mais je continue quand même, tu as raison, tu gagneras probablement un jour. Alors elle nous demande si... elle nous dit qu'elle dessine elle-même ses cartes postales, elle voulait savoir si on les recevait. Bah, si tu nous envoies la bonne adresse, y a pas de problème, on les reçoit normalement. Voilà, est-ce qu'elle peut nous envoyer... Oui, une photo, bah, elle aura une photo, elle veut une photo. On t'enverra une photo, Clara, bravo pour ton dessin. Entre parenthèses, il y en a un autre derrière. C'est Riri. C'est Fifi, c'est Loulou. Mais c'est une artiste, Clara. Ah oui, elle est très très douée. Bravo, Clara. Bravo. T'as autre chose, Philippe? Oh là là, mais dis donc, tu disais que tu n'étais pas gourmand. Non. Je sais pas, mais apparemment, Fabien nous prouve le contraire. Tenez, déjà, voilà Fabien.
Il très vite, superbe, il a 7 ans, on est à Marseille. Et regardez, alors c'est une séquence cuisine qu'il y a dans le Disney Club du dimanche. Voilà. Toi, tu dis que tu vas te régaler avec ce que fait Julie. Oui. Julie n'a pas l'air très d'accord, elle te tape avec un... Tu vois, tapette à mouche. Et puis toi, tu fais style j'ai rien fait, comme d'habitude. J'ai rien fait, moi, absolument. Non, bravo, non, moi, je suis très sage. Je vous rappelle notre adresse pour ceux qui, eux, veulent nous envoyer des dessins. Donc, le Disney Club mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt. Mickey, Dingo et Donald étant pompiers, ils se précipitent chez Clarabelle pour la sauver car sa maison est en flammes. Voici Mickey, pompier. Il est temps maintenant de retrouver notre rubrique Les animaux en question. Eh oui, Julie, d'ailleurs, je suis certain que tu nous as mitonné une petite question sur un animal. En fait, c'est Charlotte, Nicolas, qui nous a concocté une petite question. Alors, Charlotte habite les Ulysses dans le 91. Tiens, montre-lui ce qu'elle a gagné. Eh ben voilà ce que tu as gagné, un alors, super le... sac. Voilà, comme disait Nicolas, le superbe sac Disney Club avec un album d'Anne, une boîte de jeux du Disney Club, un livre pour apprendre l'anglais, deux bandes dessinées, un sac de bananes. Et la question de Charlotte, elle se demande comment les loutres font pour respirer dans l'eau. Vous avez une idée, les garçons? Oh, bah pour une fois, c'est facile. Alors là, il n'y a pas de problème, c'est simple. Elles prennent un tuba, hop, et puis, pas de souci, elles plongent. Absolument. D'ailleurs, moi, j'en ai même vu une qui avait des bouteilles. Mais bon, ça, c'est quand elles vont en pleine mer. Je me demande si je dois rire ou pleurer de désespoir. Mais non, Julie, choisis de rire. D'ailleurs, nous allons regarder les réponses de nos jeunes amis. Comment les loutres font-elles pour respirer dans l'eau? Parce qu'elle a la respiration du poisson. Elle a un sous-marin pour rester dans l'eau pour 5 minutes. Elle a un bambou, elle le met dans sa bouche, après elle respire 5 minutes dans l'eau. Elle prend un tuba et elle respire dedans. En faisant des bulles. Il prend un pince-nez. Parce qu'elle n'est pas allergique à l'eau. Parce qu'elle est à l'école de plongée sous-marine. On a l'impression qu'elle est sous l'eau, mais en fait, elle est cachée quelque part où on ne peut pas la voir. À mon avis, c'est parce que leur museau, il est plat et ils ont une bonne respiration. Elles ont un tuyau caché qu'on ne voit pas. Tu vois, Julie, eux aussi, ils ont parlé de tuba. J'avais pas tort. Enfin, presque. C'est vrai, ils ont de l'humour, nos petits camarades. Mais enfin, donne-nous quand même la bonne réponse. Eh bien, regardez. La loutre est un petit carnivore de la même famille que les belettes et les putois. Mais ce qu'elle aime, c'est manger du poisson. Et le poisson ne vit que dans l'eau. La loutre est donc devenue une nageuse hors pair. Sa fourrure possède une double épaisseur qui la protège du froid. Ses pattes sont palmées et elle possède de longues moustaches qui lui permettent de se diriger même dans les eaux les plus sombres. Régler un problème de taille, la respiration sous l'eau. Et plus exactement, comment éviter de boire la tasse ou d'avaler de l'eau par le nez. Pour éviter ce genre de désagrément, la loutre est capable de fermer hermétiquement ses petites narines. Ainsi, elle ne court pas le risque de se noyer. La loutre étant très joueuse, elle peut donc, pendant ses jeux aquatiques, rentrer et ressortir sa tête de l'eau à volonté. Pour ses petites oreilles rondes, même principe. Dès qu'elle plonge, elle se ferme. La loutre a pu ainsi devenir une championne de la plongée. Elle peut même rester jusqu'à 6 minutes sous l'eau sans respirer. Un record dans le monde animal. Alors là,
bravo Julie, c'est très très mignon. J'ai trouvé ça adorable. Et vous, enfants, vous avez trouvé ça comment? Bien? Voilà, j'en étais sûr. Alors si vous aussi vous, vous posez des questions sur les animaux, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. Dans quelques instants, nous allons retrouver la bande à Picsou. Alors à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Est-ce que vous connaissez le triangle des Bermudes? Non. Non. Eh bien, figurez-vous que le triangle des Bermudes, c'est l'endroit où disparaissent les navires et les avions. Eh oui, Nicolas. Mais notre bande à Picsou se retrouve abandonnée sur une île près de ce triangle. Que va-t-il se passer? Nous allons voir. Voici le triangle des Bermudes, la bande à Picsou. Ouais. C'est le plus grand boss de toute la ville Picsou. Dans quelques instants, on part à Euro Disney. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi.